Alors, si en ce moment vous vous sentez submergé, si vous n'allez pas bien et que vous n'avez plus envie de rien faire, vous n'avez ni l'inspiration ni la motivation de faire quoi que ce soit, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir trois phases par lesquelles je pense qu'il faut passer pour justement se reprendre en main et reprendre sa vie en main. Alors, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais ça fait quasiment 2 mois que j'ai disparu de tous mes réseaux sociaux et c'est parce que j'ai eu un énième refus pour un projet que j'essaie de concrétiser depuis plus de 6 ans. Et donc, je me suis lamentée sur mon sort, je me suis baignée dans ma frustration, ma tristesse et ma colère. Et puis par la suite, j'ai repris ma vie en main et me voici de retour avec un petit guide pour reprendre votre vie en main si jamais vous vous retrouvez dans la même situation. Alors la première chose à faire quand vous n'avez envie de rien faire, c'est justement de ne rien faire. C'est important dans un premier lieu parce qu'il faut savoir être intuitif et s'écouter, mais aussi parce que les émotions qui nous mettent dans cet état nécessitent d'être ressenties pour pouvoir passer à autre chose. Je visualise mes émotions, surtout négatives, comme des boules d'énergie. Donc une boule d'énergie de frustration, de colère, de tristesse ou de stress. Et en fait, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on essaie de maintenir cette boule en place parce qu'on n'a pas envie qu'elle remonte et qu'on la ressente pleinement. Et donc, on va l'oppresser, on va l'ignorer, on va essayer de la maquiller. Mais la seule manière de s'en débarrasser, c'est de la laisser passer à travers soi et donc de la ressentir pleinement. Sinon, on va juste porter son poids indéfiniment. Et un jour viendra s'y ajouter une autre boule et une autre boule et ainsi de suite jusqu'au jour où on va tout simplement crouler sous le poids de toutes ces boules qu'on n'a pas traitées à temps. Et quand je dis ne rien faire, c'est littéralement ne rien faire. Je ne parle pas de rester allongé en scrollant sur les réseaux sociaux ou encore binge-watcher une série, mais plutôt de rester avec soi-même en silence et de ressentir ses émotions. Donc pour ma part, j'ai carrément désinstallé Instagram, donc j'allais plus du tout sur mon téléphone sauf par nécessité. Je ne produisais plus de vidéos parce que je n'en avais pas envie. Et bon, j'allais au boulot parce que voilà, j'en ai besoin, mais aussi parce que j'en avais la force. Mais si vous trouvez que vous ne pouvez même pas aller au boulot, vous pouvez prendre un congé. Et je passais des fois quelques minutes à quelques heures toute seule, en silence, avec moi-même, sans musique, sans télé, sans téléphone, sans rien du tout. Et en fait, je laisse mes émotions remonter, je les ressens et je les laisse passer. Et je me concentre sur mes émotions et non pas sur mes pensées. Sinon là, on va faire que ressasser ce qui s'est passé ou encore alimenter ces émotions négativement. Donc il est très important d'être un petit peu moins dans sa tête et beaucoup plus dans son ressenti. Bien entendu, selon les individus et la gravité de la situation, cette phase peut durer quelques jours à quelques mois, mais je la trouve non négligeable, un petit peu comme un os qui se casse et qui a besoin de rester immobile pendant un certain temps pour se reconstruire. On ne peut pas sauter cette étape et passer directement à la rééducation, mais il ne faut pas non plus s'oublier dans cette phase. Ensuite, la seconde phase, c'est de remettre de l'ordre dans ses pensées. Et le moyen par excellence pour s'y prendre, c'est l'écriture. Donc prenez un petit moment, prenez votre carnet et un stylo et décrivez votre expérience, décrivez ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez encore à ce jour, ce que vous en avez appris et nommez et identifiez toutes vos émotions. Ensuite, faites un inventaire mental de tous les obstacles que vous rencontrez, des problèmes que vous avez, de ce qui vous préoccupe ainsi que de tout ce qui vous submerge en ce moment. Après, faites le tri. Donc, identifiez ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Ensuite, vous allez prendre une nouvelle feuille, la diviser en deux. D'un côté, vous allez mettre un problème qui est sous votre contrôle et de l'autre côté, vous allez mettre une solution qui est susceptible de le régler ou du moins de réduire son impact. Ceci vous permettra de voir les choses différemment, mais aussi d'en sortir avec des plans d'action et des solutions pour ce qui vous préoccupe. La troisième et dernière phase, c'est de faire des choses qui vous font du bien, comme aller voir des amis, aller à la plage, à la forêt, méditer, lire, faire de la musique, de la pâtisserie ou encore écrire. Car après avoir fait le travail nécessaire des 2 phases précédentes, là vous aurez un terrain propice pour que ces choses qui vous font du bien fonctionnent et que vous puissiez aller de l'avant sans porter le poids des émotions opprimées qui vous encombrent.
Et ces trois phases sont adaptables selon votre situation, donc ça peut très bien se faire en une soirée après une mauvaise journée. Donc vous allez rentrer chez vous, prendre une petite heure pour rester tranquillement en silence avec vous-même, sans téléphone, sans télé, sans musique, sans rien du tout ni personne. Et il ne s'agit pas de cogiter, de se noyer dans un flux incessant de pensées, mais plutôt de tout simplement ressentir ses émotions. Après, vous prenez votre carnet, vous faites le point, vous remettez de l'ordre dans vos idées, vos pensées. Et après ça, vous mettez de la bonne musique, vous préparez un bon repas, vous faites une bonne séance de yoga et vous allez vous coucher. Au final, il s'agit tout simplement d'être intuitif et d'apprendre à s'écouter et à comprendre ses émotions et ce dont on a besoin. Et bien entendu, tout cela se cultive avec le temps. Et je clôturerai en disant que là, ce dont je parle dans cette vidéo, c'est les petits coups de déprime. Je ne suis pas en train de parler de la dépression. Si c'est ce que vous avez ou vous ne savez pas ce que vous avez exactement, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir, il serait beaucoup plus judicieux d'aller consulter et de trouver l'aide adéquate. Tout comme pour certains maux physiques, notre corps est assez intelligent pour savoir les soigner tout seul, mais c'est vrai que certaines blessures et maladies nécessitent l'expertise d'un médecin et une certaine prise en charge. Et donc sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.